Salut, salut! Nouvelle vidéo, astuce du jour. Aujourd'hui, on va voir les différentes façons d'obtenir le coton en début de game. Et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est assez simple d'avoir du coton. Donc, quand vous êtes en début de partie et que vous pouvez découvrir le nouveau monde, vous allez vous retrouver dans le contexte où toutes les îles sont prises, où vous avez une île... mais pas forcément du coton dessus. Alors la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur cette île et commencer à construire. Quand vous allez construire et que vous avez débloqué les voiles, vous allez donc avoir accès, évidemment, aux plantations de coton et à la filature de coton. Ce qui veut dire que, une fois que ça se sera fait, vous irez tout simplement chez Isabelle Sarmento, vous cliquerez dessus et vous verrez le coton ici apparaître. Donc, là, vous avez déjà du coton en petite quantité, mais néanmoins, vous avez du coton. Deuxième chose, vous êtes sur une île où il n'y a pas de coton. Vous avez commencé à construire, vous avez débloqué, vous achetez un petit peu de coton à Isabelle Sarmento. N'oubliez pas que vous pouvez en acheter et aussi vous mettre en mode achat de coton. D'accord ? Vous pouvez lui dire « j'achète du coton ». Donc, son bateau vous livrera du coton en plus. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez débloqué cette fonctionnalité, vous pouvez toutefois venir ici et commencer à acheter des éléments. Vous achèterez, alors vous aurez la possibilité entre 3 graines. Je rappelle que les graines, il suffit simplement de mettre une corporation et introduire la graine, ce qui vous permettra, même s'il n'y a pas la fertilité de coton, de produire du coton. On va rencontrer 3 graines. Ces graines sont le vert, le bleu et le violet. Le vert, c'est si vraiment vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas d'argent, c'est le premier qui est tombé, vous pouvez le prendre. Mais néanmoins, vous aurez 15% de productivité en moins. Le bleu n'a ni de malus ni de bonus. Et le violet, donc les pics, vous donnera 25% de productivité supplémentaire. Donc, une fois que vous avez ces 3 graines-là, une de ces 3 graines-là, vous le mettez ici. Et vous pourrez alors produire du coton, même sur une île où il n'y a pas de fertilité. On parle bien entendu de début de game, donc vous n'avez pas les érudits, vous ne pouvez pas changer les fertilités des villes, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Troisième solution, eh bien, troisième solution, on va venir ici. Vous êtes en début de partie, vous pouvez aller chez notre ami ici, acheter un PNJ. Voilà, vous allez acheter tout simplement... ce PNJ, la fabricante de costumes. Alors, la fabricante de costumes, qu'est-ce que c'est? C'est, au lieu de tissu de coton, va traiter de la laine. Donc, on voit ici que le PNJ demande du coton pour produire des manteaux. Eh bien, maintenant, on va mettre ce PNJ-là et il vous dira qu'il veut de la laine. Donc, la laine, vous pouvez l'avoir dès le début de game dans le jeu. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Du coup, avec la laine, il va vous crafter vos fameux manteaux de fourrure que vous avez besoin avec vos artisans et ensuite avec vos ingénieurs. Voilà, vous le trouverez ce PNJ en début de game chez Ellie, ou sinon on pourra encore le trouver ailleurs. On va voir ça ensemble, les différentes façons d'obtenir ce PNJ. Hein, on vient là, tac, elle se trouve ici, on clique dessus. Et là, ils vous diront donc l'institut de recherche, récompense militaire, visiteur. Hein, si on monte un certain niveau d'attrait, les marchands, Ellie, on peut l'avoir sur les quêtes ou dans les expéditions, dans les missions de sauvetage. Voilà. Le PNJ, donc, vous permet. Attention, ne vous faites pas surprendre quand même, parce que ce PNJ utilise la main-d'œuvre ouvrière à la place de des main-d'œuvre artisans. Voilà. Vous avez plusieurs façons d'obtenir du coton très rapidement dans le game et d'ajuster en fonction de votre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est toujours le bienvenu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait développer la chaîne et surtout, ça fait très 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 plaisir et vous recevrez les notifications de la prochaine vidéo. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans le descriptif. À très bientôt. Ciao, ciao.